direction les gorges de l'Ardèche depuis Bidon. Le parking, c'était au niveau de la grotte Saint-Marcel. Ouais, un petit peu de route, chemin comme ça là. Mais bon, vu qu'on fait une boucle, après on rejoint directement la voiture. Donc c'est parti pour... Ouais, je vais rallonger, hein. Donc devrait être aux alentours de 14 km et dénivelé. Bon, les 450, quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est le visuel qu'on avait au niveau du belvédère de tout à l'heure. Voilà, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Ah, toujours aussi belle la forêt. Hein. Ouais, on est sur le sentier de la grosse pierre. Ouais, Pouza, grotte de Saint-Marcel. Ouais, c'est. Ouais, dans les deux sens de toute façon. Saint-Marcel d'Ardèche. Tant que je me trompe pas là. Non, il faut faire. C'est ici, mon avis. Hop, ça fait comme une épingle à cheveux. Ouais, c'est sûr que c'est que je vais pas rencontrer beaucoup de monde. C'est une belle petite descente là. Il y en a déjà un petit peu derrière moi. Hop. Alors, je suis obligé de me mettre sur les fesses. Là, c'est pas possible, il y a au moins, 80 cm de marche. Voilà, c'est un peu plus. Hop, ouais, là pareil. Bon, après, bon, hop, ah, on a de beaux petits abris là. Eh, tranquillou. Hop, il y en a un petit peu ici. Ouais, j'ai pas indiqué, mais je passe pas d'abord par le point 1 et 2, il me semble. Je vais directement aux gorges pour l'instant, et ensuite on verra. Si je reprends les points 1 et 2, bon, ça devrait aller. Hein. Ce sera en fin de randonnée, par contre. Et il me semble qu'il y a des belvédères là-bas. Hop, donc, bon, on va pas le louper. Hein. Ah, regarde-moi, c'est comme c'est joli. Oh, attention, je branche dans les yeux. Parce que... Ah, c'est super beau. Ouais, je pense pas qu'on vienne de tout en haut, hein. On, parce que bon, ça fait une bonne partie du dénivelé déjà. Bon, ça m'étonnerait quand même. J'ai pas trouvé que c'était trop dur, donc hop, allez, un super beau petit chemin dans la caillasse. Tiens, il y a une cascade Saut du Loup, ouais, grotte Saint-Marcel, ouais, 08. Bon, en fait, ce sera notre chemin retour. Hop, donc par là-bas, et nous, vu qu'on va dans les gorges, on va descendre un petit peu. Bon, là, ça va, c'est tranquille. C'est vrai que, hop, on a des beaux petits panoramas. Ah, c'est joli. Hop, une petite propriété privée ici. C'est pas habité toute l'année. Là-bas, il y a des grilles derrière moi. Attends, on a un beau petit panorama ici. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que j'en profite, c'est que la descente initiale là, vers le point de croisement. Ah bah attends, ça tombe, on va peut-être là. Non. Donc il y a des marches. Elle a aucun intérêt en fait. Sauf si vous aimez bien marcher. Parce que c'est le panorama qu'on a, c'est le panorama qu'on peut avoir au niveau de sur la route quoi. Et comme bon, normalement les gens ils s'arrêtent au niveau des belvédères aussi, hein, sur le niveau. Donc bon, ça fait une descente pour rien, on va dire. Oui, donc on peut descendre directement dans les gorges plutôt que bon faire un petit passage en forêt. Et puis oui, effectivement, c'est super beau. Donc le but ce sera de faire les gorges par la gauche dans un premier temps, et puis par la droite. Randonnée sous la description comme d'habitude.
Alors, est-ce que je vais croiser des canoës? Hop. Ah ouais. Alors, je vais déjà suivre la première trace de la randonnée qui est sous la description, comme d'habitude, avec tous mes liens, etc. Donc, je vais sur la gauche d'abord, et ensuite, je longerai les gorges dans l'autre sens. Par contre, j'ai vu que de l'autre côté, a priori... Ah bah attends, il y a du monde. Ah, du monde. Ça avait l'air d'être d'abord en forêt. Et puis c'est pas très compliqué hein, si vous attaquez depuis le parking de la grotte. Alors là, ici, tac, c'est la petite cabane. Enfin, c'est la propriété privée plutôt. D'escalade. Donc ça va jusqu'en. Je vois jusque là. Après, il n'y a plus de. Alors, nos alpinistes, ils sont là-bas. Voilà, il y a un petit passage. Bon, ils ont creusé des pommes et ils ont commencé à être bien abîmés. Donc, s'il pleut, je t'explique pas. Il vaut mieux pas passer par là. J'avais fait l'autre randonnée des gorges à La Bastide, et même gorge. Et ouais, c'était un peu plus difficile, enfin moins facile, on va dire. On avait des passages câblés, quelques passages glissants, donc avec des enfants, attention. Il y a quelques passages vraiment touchy là-bas, hein. Bien en pente. Puis ouais, c'est mieux quand c'est grand. Hein. Ouais, et c'était bien en pente et bien élimé. Ouais, donc ici, c'est quand même beaucoup plus tranquille ou. Ah, regarde-moi ça, c'est super beau. Ouais, c'est juste l'aller-retour jusqu'au bout là-bas. En fait, c'est juste l'aller-retour là jusque au virage, jusqu'au coude là. Et non, en fait, là-bas, les alpinistes, je les ai vus, ils enlevaient la corde et ils venaient d'arriver. Donc peut-être les précédents, ils laissent la corde. Et bon, ça va pas jusqu'en haut. Ils s'arrêtent a priori jusqu'à la moitié. Ouais. Moi je les verrai pas, je les verrai à peine. Parce que nous en fait on va juste derrière là-bas. Alors après. Ah oui non, et d'un peu plus haut là-bas, on voyait la route qui était genre un peu tout en haut. Et puis, ouais, non mais je pensais pas. Hein, mais c'est qu'en fait tu peux faire toutes les gorges à pied là. Hein. Si tu veux, tu peux continuer. Hein, je regarde hop sur la carte. Alors moi j'utilise toujours Visorando. En plus c'est gratuit et ben on voit bien le chemin de randonnée hein, qui est bon après c'est sûr ça fait pas une boucle hein. Ouais va falloir deux voitures voilà on... comme c'est la rentrée ça va être beaucoup plus tranquillou. Ouais, il y a quelques belles petites grottes hein. Bon. C'est vraiment super classe. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens, je pense aussi, ils s'arrêtent là-bas après le virage parce que enfin, déjà, sinon, il faudrait deux voitures si tu veux aller beaucoup plus loin.
Et si jamais tu veux continuer, bah il y a quand même une méga ligne droite pour suivre l'Ardèche. Et puis bah si vous avez le même point, facile, votre parking il est ici, forcément on va avoir l'affaire en retour. Non, mais en fait, j'ai déjà dépassé le point de non-retour. Mais bon, moi je vais jusqu'au virage. C'est là où c'est le plus beau. Hein. De toute façon, tu vois là-bas, il y a deux personnes. Ouais. Sinon, après, ça va faire trop court. Et t'as vu, toi? L'Ardèche, à un moment donné, il était là. Parce que quand tu vois les cavités, hop, c'est assez irrégulier. Ouais, je disais que ça avait l'air de faire une ligne droite, mais bon, on dirait que là-bas ça bifurque. Ouais, je vais au moins aller jusque là-bas. À mon avis, pareil, là, il y a du passage. Plus simple quand même ici, d'avoir une prise. Ah ouais. Ouais, sinon en bas, on peut y aller. C'est relativement plat. Hop, et pas trop, et pas vraiment glissant. C'est tout de même, et de derrière, hop. Ah, si je peux m'en retourner, c'est que ça va. Ouais, je vais aller jusqu'au virage là-bas, puis après, hop. Je pense que ce sera demi-tour. Droite. Hop. Rien de bien méchant, il y a encore la petite partie là-bas. Alors, je dis pas que des bêtises, comme je vous disais, hein, là, à mon avis, c'est une méga ligne droite. Alors, il y a eu quand même un petit virage, un autre petit virage, auquel je m'attendais pas, là, juste derrière. Ah, j'étais au plus près des gorges, mais en fait, le chemin, il est sur, un peu plus sur la gauche, enfin, dans le, quand vous venez de ce sens-là. Attends, hop. Donc, là, je vais faire demi-tour. Je vais juste descendre là-bas sur la gauche pour avoir une vision du virage. Hop. Ouais, rendez-vous là-bas. Alors notre belle ligne droite là-bas. Bon, je pense que les gens ils doivent tous faire comme moi parce qu'après sinon ça fait super long hein, si tu dois aller faire l'aller-retour là-bas. Ouais, c'est le petit coude que je mentionnais là, derrière le grand, derrière. Ah, de là où on vient. Et ouais, chemin de randonnée un peu plus sur la forêt, et puis là je viens de voir il y a un belvédère. Ah, c'est super beau hein. Et non, hop, juste derrière moi, maintenant sur le côté, il y a une petite grotte préhistorique. Ah ouais.
faire parce qu'en fait on voit plus. C'est à l'époque ils n'avaient pas des lampes, hein, tu vois. Ouais, c'est super sympa. Donc là, il y a un petit passage avec une barre. Alors, rien de bien méchant. Et c'est surtout, à mon avis, s'il pleut entre deux, là, que vous êtes pris. Je crois que ça arrivait à plusieurs randonneurs, je sais plus où. Ils étaient bloqués à 2400. Et on a eu de fortes chaleurs. Et puis, hop, d'un seul coup, il a fait super froid. À équiper. Donc là, bah, notre petit passage dans les gours. Ah, c'est magnifique. Donc après, je vais aller dans la grotte qui est tout là-bas. Une micro-escalade et puis après, c'est les gorges de l'autre côté. Ah, les petites cachettes préhistoriques. Bon, attends, est-ce que je vais à l'ombre ou au soleil? Bon, ça souffle un tout petit peu hein, par moment. Alors, les grottes, elles sont là-bas. Ah, bah, on voit la route là. Hop, tout en haut. Ah, il y a des gens qui sont passés en canoë. Ouais, non, ça doit être super sympa. Hein. Et surtout qu'ils ont pris leur tente. Hein. Et qui fait beau. Ça veut dire que je vais devoir redescendre. Hop. Bon, peut-être moyen de monter ici, hein, mais bon. Ouais, je suis tout seul. Mes chaussures, elles sont en fin de vie. Donc, si je veux pas l'être non plus, ça va glisser. Hein. Hop. Donc là, la grotte plus accessible. Ouais, celle-là est plus accessible, l'autre un peu moins. Bon, après, c'est pas très profond. Il y a 5 mètres creusés dans la roche au maximum hein, dans ces grottes. Bon, et puis, bon, ne pas dire qu'il y a des graffitis, donc. Hop. C'est pas des graffitis préhistoriques. Alors, je suis passé par là. Alors, à monter. Toujours plus facile. Ah, tu vois, les gens sont belvédères là-bas. Donc ici, ça fait tec-tec. Un petit test. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut passer de l'autre côté facilement? Ouais, parce qu'en fait, ça faisait des ponts. Et je suis pas sûr. Ça m'étonnerait de loin, j'avais pas vu que. Ouais, on va essayer quand même. On va essayer de voir, ça coûte pas plus cher. Ah ouais. Un super panorama ici par contre. T'es un peu en hauteur. Parce qu'en bas, je sais pas, il y a au moins 6 mètres. Ah bah si, il y a moyen de faire le tour. Et je dirais que c'est quand même plus simple de monter par là que d'y descendre. Bon après, on peut glisser un petit, on peut céder par glissade. Hop.
Donc là, ça va, c'est super praticable. Et ouais, nos alpinistes, ils sont toujours là-bas. Je t'explique pas ici l'été, hein, tous les bouffons avec leur musique là. Non mais franchement, oh là là. Nos escaladeurs. Ah, commence à avoir un peu plus de monde. Alors début d'après-midi. Et ouais, les gorges là, j'ai pas eu beaucoup de rapides. Donc en fait, c'est super simple. Alors, en même temps, c'est comme pouvoir aller vachement loin. Là, ça doit être une super après-midi. Hein. Ah, ça doit être top. Alors on est tout là-bas derrière. Ouais, je vais pas changer de trace. Tiens, on voit même la grotte. Alors, la cavité, hop, ici. Et bah, je vais continuer les gorges. Il y a même des gens qui passent là. Dans l'autre sens. Le rapide de la fève, si je ne m'abuse. Si j'ai pas déjà oublié. Alors ouais, logiquement. Il y a juste, c'est tout droit. Droit devant mon capitaine. Donc c'est pour ça que je mets pas la trace GPS. Ça devrait aller. Alors ici, c'est joli. Hop. Hop, toutes ces cavités là, le chemin est juste à côté. Ah, c'est top aussi ici. Ah, ici il y a un peu plus de courant. Hein. Ah, dans le courant, ouais, bah, il est dans le sens là-bas. Après, ça peut être avec le vent aussi. Hop, les deux pas de liste là. Et, à un moment donné, il l'avait un peu dur. Hop. Attention tout de même. Ouais, ici, on va se sécuriser parce que, effectivement, hop. C'est bon, ça va. Ouais, c'est top, on va avoir un beau petit coude là-bas aussi derrière, je vois. Alors par ici on peut pas passer et il faut passer par ce petit trou de souris en rampant, alors soit de dos, soit de face. Ça n'a pas l'air long normalement. On va bien voir ce que ça donne. Hop. Et c'est pas très long. Ouais, non, ça va, c'est pas très compliqué, il y a juste 20 mètres à passer. Alors, le petit passage de souris, et puis après, bon, il y a l'échelle là. Bon, je vais arrêter de filmer, ouais, parce que sur. Ouais, c'est bizarre, mais attends, il va falloir repasser par là, parce que là-bas, c'est pas accessible en fait. Puis après, faut se baisser encore.
n'y a pas d'autre moyen de passer en fait. Hein. Hop. Alors ici, les petits trous de souris. Voilà, ça va, accroupi. On voit l'échelle là-bas. Voilà, rien de bien méchant au final. Ici, c'est le petit passage où on se met accroupi. Bon, pour éviter de se salir, mais il y a largement la place. Et puis ici, il y a une petite ouverture. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont pas mis une échelle, parce que bon, il faut arriver là-bas. Ils ont mis l'échelle par contre à l'intérieur, ici. Et juste sur la droite, faut ramper sur voilà, 1m50 à tout casser. Hein, puis ouais, là par contre, il y a un peu plus de monde qui arrive. Ouais, je suis arrivé au bon endroit là. Au bon moment quoi, plutôt, je veux dire. Parce que sinon, ça bouchonne pendant un quart d'heure. Hein. Bah, je te le dis, je t'explique. Oh ouais, non, mais attends, c'est... là ils sont 20 quoi. Bon, moi je dis qu'on va pas les attendre. Bon, là-bas c'est pareil, on a encore des petits génies. Et ça braille, et ça braille, et ça piaille. Oh là 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 là. Par contre, à mon avis, ils sont pas loin de 15-20 là. Et ils vont mettre du temps à passer. Je crois qu'ils n'avaient pas des gros sacs. Ouais, quand même un gros sac, il y a moyen de. Ouais, si vous êtes deux, bon, si vous êtes tout seul, bon, ouais, là, ça sera un peu plus dur parce que le sac, il va passer tout juste. Hein. Regarde-moi ça. Ouais, c'est beau comme tout. Hein. Hop. Ouais, on peut me mettre ici, ça a l'air d'être vachement plat. Ouais. Alors, le passage, il était là-bas. Peut-être tous les bouffons là-bas qui sont en train de piailler. Les bouffonnes. Ah non, mais je les entends jusqu'ici quand même. Attends, ah, mais c'est triste, hein. Je crois que j'avais noté 5 km aller-retour depuis. Attends. Parce que là, on va être dans la caillasse. Ouais, bah, je suis passé par la plage. Ça va, je pense, même beaucoup plus vite. Ouais, ça fait tout un arc de cercle ici. Et puis, on rejoint le balisage blanc et jaune. Alors, on doit être peut-être à mi-chemin. Ah ben... Quand il n'y a personne autour de toi, c'est très calme. Ouais, je crois qu'on voit jusqu'à un petit virage, là. Tout là-bas, là-bas. Puis après, on fait demi-tour. Ah ben, c'est comme dans le film. C'est la gravité. Et t'as tous les caillasses, bam. Ah oui, celle de tout en haut, c'est. C'est ça, l'air plus soleil d'un seul tenant, d'un seul bloc. Quasi jusqu'en haut. Ah, c'est super top. Hein. Ah, l'autre côté, c'est vrai que. Bon, pour l'instant, je vais pas dire que c'est plus beau, mais parce que on était dans le coude. Donc, bon. Alors, pendant qu'il y en a qui passent en canoë, tranquillou, ouais, bon, ça a l'air d'aller. Hein. Donc, on a ce petit passage avec cette barre de fer. Ouais, ça va. Non. Toujours pareil. Ça a l'air plus méchant de loin. Ouais, ça va, c'est plus... Enfin, c'est... Il y a de l'accroche, quoi, je veux dire. Hop. Hop. Ouais, peut-être un peu moins ici, mais... C'est juste, attends, de derrière, c'est juste que je suis pas. Je dois pas être sur le bon pied. Ouais, non, y a rien de bien compliqué. Hop. Et
attention quand même. À la bosse, ça va être super beau. Hein. Bon, un petit passage dans la rocaille, pas bien méchant. On en profite du paysage. Hop, là on a une belle petite ligne droite. Mais en fait, faut grimper là. On a dit là-bas, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, j'ai regardé la trace. Là-bas, ça serpente beaucoup, donc ça doit être super beau aussi. Ouais, je vais voir jusqu'où je vais. Ouais, c'est top. Ah, bah voilà encore. De toute façon, aujourd'hui, il fait beau, donc bon, encore un petit peu de monde. Bon, ouais. Et c'est pas comme si, mais pas comme en juillet, août. Hop, attention. Petit passage le long de la falaise là. Bon, à faire des grands pas. Faut être vigilant quand même. Hop, ouais, ici on est dans les rapides. Et donc là, ce qui nous attend. Bon, attends. Hop, rien de bien méchant. Hop. Je fais quoi? Bon, on fait comme on peut. Hein. Hop. Ah, c'est pas par là. Hein. C'est qu'il faut descendre tempois, c'est ça? Il faut descendre en zigzag parce qu'à mon avis. Hop, là-bas, on sera bloqué. C'est vrai que ma caméra, je ne l'attache jamais. Donc... Ouais. Voilà, un petit passage en zigzag ici. Hop, et puis là, si vous voyez, bon, ça va. Ouais, c'est. Ah, j'avais mal négocié le truc là. C'est un petit 80 cm là pour descendre, puis après. Hop. Ouais, c'est super top. Hein. Ah, ça fait un peu de variation. Allez, go! Les rapides, ils sont pas très méchants, ça va pour le moment. Eh ben, parce qu'on vient de tout là-bas derrière le virage, donc il y a une trotte quand même. Ouais, et puis j'allais dire, c'est nettement plus dur que la première partie de tout derrière là-bas, au croisement là. Hein, là où il y a le hamac et on voit tout en bas de la maison. Ouais. Donc. Ouais, assez fortement. Ouais, faut que... Ah, parce que là, ça monte et ça descend. Hop, non, là, les gros rochers. Ah, hier, c'était tout des petits passages avec des pics. C'était. Ouais, j'en ai eu mal aux pieds. Hop. Et donc, ouais, comme d'habitude, je conseille des chaussures quand même relativement rigides. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Oh là là. Et puis ça peut continuer encore et encore. Et c'est que le début. Ouf. Ouf. Passage pas super simple. Pas si vous voyez les rochers ils font ça. Et c'est pas comme si c'était plat. Donc attends là, ça devrait être un peu plus sympa. Hop. Ouais, sympa. Ouais. Je vais passer par là plutôt. Ouais. Ouais, non, c'est. Je vous dis, c'est quand même assez physique. Ouais,
surtout avec 80 km dans les jambes. Ah bah attends, ici il y a un petit passage câblé. Ouais, vaut mieux. Ouais. Bon, après, bon, ça devrait aller. Ouais. Hop. C'est mieux quand t'es grand. Hein. Et de derrière, les amis. Enfin, déjà, de devant, c'est magnifique. Oh là là. Ah, tu m'étonnes que les gens viennent faire du canoë ici. Ah, il y a juste le premier pas là-bas. Bon, après, avec une caméra dans les mains, je parle. Alors, vous allez rire ou pas. Voilà. Bon, déjà, je sais pas jusqu'où je vais aller, hein, puisque c'est pas trop dur. Hein. Alors, je sais pas qui est-ce qui a été mettre le rocher là-bas. Hein, mais franchement, il y en a qui n'ont rien d'autre à faire. Il est dans la grotte. Je sais pas à quoi ça sert, mais... faire une pause à un moment donné. Ouais, c'est magnifique. Là. Ah, ça fait vraiment carte postale. Oh là là. Ouais. Non, voilà. Ils ont mis une nouvelle chaîne. Ouais, rien de bien méchant. Ouais. Et bah, le chemin, il est là. Hop, ici. Et on est passé dans les gros tas de caillasses. Là. Ouais. Hein. Ouais, deuxième petit passage là. Bon. C'est sûr que c'est un petit peu plus élimé que les précédents. Mais bon, ça passe. Ça passe. Hop, c'est quand même moins physique que, pour le moment, que la randonnée du côté de la Bastide, hein, même si je me répète. Voilà, un beau petit visuel là. On était tout en contrebas, bah tiens, bah les caillasses par lesquelles on est passé, sont... bah de toute façon on est quasi juste à côté de la rivière. Alors je sais pas jusqu'où je vais aller, parce que c'est vrai que là-bas ça doit être aussi beau. Hein. Mais après il y a peut-être une trotte. Hein. Donc là je suis. Un hélico. On a mis un petit passage en forêt là, ça monte et ça descend, donc ça veut dire que le retour, je pense que ça va pas être super, super simple. Voilà, ça souffle là. Ouais, bah, je vais m'arrêter juste derrière, je pense. Hop, donc ça fait comme un arc de cercle, là, le coude là. Hop. Ouais, c'est le concept au milieu de la milieu du chemin là, dans cette direction, que ça commence à être dans la caillasse. Ouais. Tant le temps que c'est tranquille, je peux avancer. C'est bien joli hein, tout ça. Ah, on est vraiment dans les gorges parce que hop, on est entouré. Hop, ici. Et je pense qu'il y a la route qui doit être derrière. Hop. Ah, une petite hauteur. Bon, moi je dirais 200 mètres, comme hier. Dans les rapides là, hein. Hop. Bon, ils sont pas méchants là. Ouais non j'ai avancé mais je crois que ça va être long quand même hein, pour aller jusque là bas puis j'aurai pas là, il faudra que j'avance nettement plus là de derrière le virage pour avoir un autre panorama. Ah bon.
Là, on est servi, hein. Hop, regarde-moi ça, toi. Ah, c'est vrai que c'est top. Ça, je reviendrai. Je vais aller rapide du dessus. Bon, ça va, j'ai repris des forces juste derrière, là-bas. 383 de descente et 200... Ah, j'ai déjà oublié. Je crois que c'était 273 aussi. 273. Donc, sous-bois. Caillasse. Passage. Avec l'échelle où il faut se remuer comme un ver de terre, après. Et puis après, bah, ce sera la remontée, hein, finale. Ouais, bah, on revient avec ce superbe panorama. Après, bah, c'était le plus long passage en forêt. Bon, ça va, ça a été vite. Je trouve. Et tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'était 383 de descente et 227 de montée. Ah, bah, on avance tout doucement. Ouais, je crois que j'avais pas dit, c'était 11,5 km jusque tout là-bas derrière. Ouais, sans aller trop loin parce que... Ah oui, c'est le passage de la barre, pour faire gaffe. Mais bon, il y a vraiment pas méchant, je veux dire, c'est ultra large. Sauf peut-être ici, donc faut faire gaffe quand même. Ouais, non, faut faire super gaffe. Ouais, parce que je sais pas si vous voyez... par où je passe. Attends, avec l'appareil, ça ira pas. Je vais le mettre. Ouais, celui-là, bon, il n'y a rien de bien méchant, mais bon, pas avoir peur. Et là-bas, il y avait les deux passages câblés, ouais, qui sont simples. Ah, une grosse caillasse. Hop, une main prise, ça devrait aller. Je sais pas si vous voyez. Ouais, attention quand même. Parce que... Hop. Et c'est toujours mieux quand t'as des grands pieds. Bon, bon, c'est ta mode caillasse. Hop. Alors, là, ça va. Parce que c'est que c'est beaucoup en pente, hein, quoi. Sur la ligne de crête. Attends, faut pas que je m'éloigne de trop. Non, c'est en bas. Oui, c'est en bas. Puis après, on va rejoindre. Hop. Ouais, c'est super beau là-bas. C'était un peu du sport quand même. Escalade. Ouais, on croise quelques figuiers, mais il n'y a plus de figues. Donc là, c'est la partie plus tranquille, je pense. Hop. On n'est pas encore arrivé à un trou de souris, là. Oh, attention. Là, on est repassé par nos fameux barreaux. Ça va. Oh, des bons, c'est pas très large. Ah, c'est bien, on est à l'ombre. Hop. Alors oui, c'est vrai, il y avait ce fameux passage. Hop, câblé, c'est sûr que... Attends. Ouais, c'était dans la descente, là, c'était un peu plus... c'est faut pas glisser, quoi. Et c'est un peu... Les pas, ils sont dans le sens de la pente. Bon, après, ça va. Hop, il n'y a rien de bien méchant. C'est la largeur d'un pas. Hop. Tac. Ouais, c'est top, hein, comme rando. Un peu sportif, et puis voilà.
ça se couvre un petit peu là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a le visuel. Ah, il est loin, mais le passage avec l'échelle là-bas et le petit trou de souris, il est là-bas. Même là, je crois. Hop, un truc foncé. On va passer par là. Et ouais, ici, la nuit tombe vite, hein, parce qu'avec les falaises, t'as vite de l'ombre. Hein. Ouais, donc on voyait bien le chemin plat ici, de l'autre côté. Bon, j'ai dû faire au moins 4,5 km hein, pour aller jusque là-bas. Et donc on voit le... Ouais, tu sais, quand tu passes une deuxième fois, ça fait tout de suite, hop, moins peur. Attends, tout à l'heure, je suis allé à genoux. Ouais. Bah, pareil. Parce que ça passe pas si. Hop. Plein de poussière, ils font pas le ménage. Hop. Et il y en a même des toiles d'araignée. Hop. Les fameuses échelles et le petit trou là-bas. Hop. Donc nos fameuses échelles. Le petit trou à pas de queue accroupi. Hop. Et puis ici. Ah oh, non, enfin, hop. Bon, ici au moins, il n'y a pas de poussière. Ouais, tant pis, tu peux. Regarde. Ouais, ici, il faut juste s'allonger. Hop, je vais quand même prendre mon sac. Ouais, ça va être. Okay. Deux effets personnels. Hop, ouais, le petit trou. Hop, on va un coup quand même. De fer là parce que effectivement c'est patiné et en pente. C'est ultra patiné ici. Bon ça là c'est plus loin. Alors c'était une super randonnée, je devrais être aux alentours de 16 500 km. Bon, je vais pas regarder le dénivelé. Bon, ça va s'afficher comme d'hab. Sinon, je recommanderais plutôt de descendre par le chemin le plus rapide du parking des grottes de Saint-Marcel. Ensuite, une fois que vous arrivez à la propriété privée, vous allez sur la droite et vous faites toutes les gorges. Et donc ça vous fait économiser, au moins à mon avis, 1,5 km. Donc vous allez plus loin. Et au niveau des gorges là-bas au fond, à mon avis, il faut rajouter au moins 2 km. Allez, donc retour aussi. Et ensuite vous faites les gorges par la gauche et vous devrez atterrir à mon avis aux alentours de 15 km. Bon là c'est plus les gorges sur la gauche, ça, celle-là hein. Ouais, c'est juste à la jonction et celles qui sont aussi les plus belles, enfin elles sont belles toutes les deux. Et là-bas, il y a une fois que vous êtes arrivé dans le virage, après c'est une méga ligne droite. Tandis que là-bas, ça serpente encore un petit peu. Donc 447 de descente, j'ai vu, et 352 de montée, c'est-à-dire qu'on a encore de la montée à faire. Ou alors c'est parce que j'ai pas fait le point 1 et le point 2. Attends, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont passés là. Ça me semble
Regardez ma montre. Non, non, bah non, c'était au croisement. Je suis bête. C'était au croisement le truc. Ah, c'est super beau. Hein. Ah bah on a pris la montée sur la gauche, sur la droite en montant plutôt. Ah on revient. Ouais, village typique Ardéchois. Ah, quelqu'un qui monte là, là c'est la propriété privée là. Bon, donc ça devrait être ça à mon avis. Il y a un petit 90 mètres de dénivelé jusqu'au parking. Voilà, on se refait une boucle. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de descentes au tout début. Donc je recommande plutôt de passer par ici, à l'aller au retour. On voit la route là-bas qui est tout en haut. Et les gorges sur la gorge, sur la gauche, c'est toute celle-là. Et on voit, bah, c'est la grotte, la grande là. C'est celle où je suis allé. Et après, ça tourne jusque là-bas. Alors nous sommes au niveau du belvédère du rang pointu avec les motards qui passent comme d'hab. Tout à l'heure j'étais tout en bol et j'ai fait donc le tour jusqu'ici parce que ensuite l'Ardèche c'est une méga longue ligne droite donc je fais l'aller-retour. Petit tour dans la grotte.